Alors la démarche réflexe santé, elle consiste à faire des échauffements à la prise de poste afin de se préparer au travail éventuellement physique. Ces exercices d'échauffement sont d'ailleurs inclus dans le temps de travail. Donc ces échauffements, ils se pratiquent en petits groupes avec un animateur. Tous ont été formés par un organisme spécialisé. Après analyse des postes de travail, afin que les exercices que l'on réalise soient adaptés au travail. Donc il s'agit plus particulièrement de lutter contre les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Donc l'enjeu principal, c'est donc de préserver la santé de nos salariés en évitant des accidents du travail ou des maladies professionnelles liées à ces TMS. Alors la collaboration avec Idéquation a commencé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, par le plus hasard, puisque j'ai fait l'objet d'une démarche de prospection commerciale de ce qu'il y a de plus classique. À l'époque, c'est Michel Leroy qui a pris contact avec moi et qui a souhaité me présenter leur outil PlaySafe, donc plutôt orienté sécurité. Elle m'a également parlé des tout débuts des échauffements dans les entreprises qu'ils commençaient à mettre en place. Et le sujet nous a beaucoup intéressés, puisqu'on était dans une problématique d'accidentologie, de TMS, comme dans beaucoup d'autres entreprises. Donc on a souhaité aller plus loin avec eux, et c'est de là qu'est partie la démarche Réflexe Santé. Une personne nous a appris à exercer les mouvements correctement pour pouvoir les transmettre après facilement derrière, sans faire d'erreur, et que les gens puissent exercer leurs mouvements correctement. Voilà, pour éviter après les douleurs suite aux mouvements répétitifs au travail. Donc on se regroupe à l'embauche avec les collègues, on fait des exercices d'étirement, on échauffe nos articulations. Au niveau des ateliers, il y a eu beaucoup d'appréhension, pas facile, mais il y a eu une bonne dynamique quand même dans l'ensemble. Alors le rôle, c'est d'accompagner donc mes collègues qui font l'échauffement avec moi, parce que l'échauffement fait à peu près 8 minutes, il est compté dans le temps de travail. Donc on dirige l'équipe, on enchaîne les mouvements, on leur dit quand on passe d'un mouvement à un autre, et on essaye aussi de faire en sorte que les mouvements soient corrigés s'ils sont mauvais, quoi. Le fait de faire ces exercices quotidiennement permet d'éviter donc les douleurs, on a moins mal au dos, moins mal aux articulations et on travaille dans des meilleures conditions. Notre démarche les aide à soulager et à avoir un avenir sans douleur, quoi. Parce que voilà, c'est tout ce qui est logistique, et c'est pas un métier facile non plus, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien au niveau des équipes, c'est que ça fédère un peu. Tout le monde se regroupe à l'embauche. Ça permet de discuter de ce qu'ils ont fait dans le week-end, de ce qu'ils ont fait le matin. Voilà. Et ça permet à tout le monde de se voir. Hein. Les ateliers sont grands. Tout le monde ne se voit pas forcément dans la journée. Et ça permet vraiment d'avoir un échange pour bien démarrer la journée.